The following is the presentation of the Canadian Centre for Diversity and Inclusion. All content presented is the exclusive intellectual property of CCDI. Any sharing, reproduction, or use of this material or content as is, or in any form, requires the express written permission of CCDI. Should you wish to use this content in any way, please contact Anne-Marie Pham, CEO at the Canadian Centre for Diversity and Inclusion, at annemariepham@ccdi.ca. Ce qui suit est une présentation du Centre canadien pour la diversité et l'inclusion. Tout le contenu présenté est la propriété intellectuelle exclusive du CCDI. Le partage, la reproduction et l'utilisation d'un extrait ou du contenu, tel quel, ou sous quelque forme que ce soit, sont interdits sans l'autorisation écrite du CCDI. Si vous souhaitez utiliser ce contenu de quelque façon que ce soit, veuillez communiquer avec Anne-Marie Pham, chef de la direction du CCDI, à annemariepham@ccdi.ca. Welcome, everyone, to this information session for the See Different program, a youth education program of the Canadian Centre for Diversity and Inclusion. Bienvenue à tous et toutes à cette séance d'information sur le programme See Different, un nouveau regard, un programme d'éducation des jeunes du Centre canadien pour la diversité et l'inclusion. Before we get started, I would like to begin by honoring the land that I reside on. I am located in Antigonish, Nova Scotia, which is part of what my people call Mi'kma'ki, the ancestral and unceded territory of the Mi'kmaq people. By acknowledging the traditional territory of the Mi'kmaq, we show respect for and honor our shared treaty relationship. This is just one of many important steps that we can take towards reconciliation. If you'd like to learn more about the history, traditions, and stories of the land on which you live, I highly recommend checking out the Whose Land app. The link is provided on the slide at the bottom. Avant de commencer, j'aimerais d'abord rendre hommage à la terre sur laquelle je réside. Je vous rejoins aujourd'hui en provenance du traité numéro 7 des territoires traditionnels de la Confédération des Pieds Noirs du sud de l'Alberta, qui comprend les nations Siksika, Kainai et Piikani, ainsi que les Premières Nations Yare, Nakoda, Wekatsabi, y compris les Premières Nations Bearspaw, Chiniki, Wesley et Tsutina. La ville de Calgary se trouve dans la nation métis historique de l'Alberta, région 3. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur l'histoire, les traditions et les récits du territoire sur lequel vous vivez, je vous recommande vivement de consulter l'application Whose Land et le lien est fourni sur la diapositive en bas de la page. Alors, je voudrais commencer avec mon introduction. Je m'appelle Anne-Marie Pham. Je suis la chef de la direction du CCDI. My name is Anne-Marie Pham, and I am the CEO of the Canadian Centre for Diversity and Inclusion. My pronouns are she and her. I have over 25 years of experience in diversity and inclusion. I am a certified administrator on cultural competence, and I love doing community work. So I'm also on the board of directors of the Canadian Race Relations Foundation and a member of the City of Calgary's Anti-Racism Action Committee. J'ai plus de 25 ans en diversité et inclusion. J'ai une certification en inventaire de développement interculturel, EDI. Je suis aussi la directrice du conseil d'administration Fondation canadienne des relations raciales et membre du comité d'action contre le racisme de la ville de Calgary. Thank you, Anne-Marie. All right, thank you so much, everyone. My name is Ashley Shepherd, and I'm the manager of Learning and Knowledge Solutions at CCDI. My pronouns are she and her. I am the main facilitator for the See Different program today, and will be sharing some information with you. A few facts about me. I am Mi'kmaq from Newfoundland. I have 8 years experience working in higher education. I have a passion for teaching youth and creating inclusive learning environments. I'm an avid lover of theater, travel, languages, and my two dogs, Millie and Watson. And for the visually impaired, I am a 30-year-old woman with a big smile and long brown hair. Merci tout le monde. Je m'appelle Ashley Shepherd et je suis gestionnaire de solutions d'apprentissage et de connaissances au CCDI. Mes pronoms sont elle et elle. Je suis la principale animatrice du programme Nouveau Regard et je vais partager des informations avec vous tous et tout aujourd'hui. Quelques faits à mon sujet.
Je suis Mi'kmaq de Terre-Neuve. J'ai 8 ans d'expérience de travailler dans les universités. Je suis passionnée pour l'enseignement aux jeunes et la création d'environnements d'apprentissage inclusif. J'aime beaucoup le théâtre, le voyage, la langue et mes deux chiens, Millie et Watson. Pour les malvoyants, je suis une femme de 30 ans avec une grande souris et de longs cheveux bruns. All right. So starting with the history. CCDI's focus up until now has primarily been on offering education and training opportunities for Canadian employers to create diverse and inclusive work environments that mobilize the potential of all Canadians in the workforce. However, with a growing number of young Canadians soon stepping into the workforce, the organization recognized the need for a national educational training program that would provide youth with the tools and information necessary to be advocates for inclusion and schools and communities free from prejudice and discrimination. And so in 2015, CCDI brought together a committee of DEI professionals to collaborate on a program for high school students offered in person, where students explored the concepts of identity, diversity and inclusion, power and privilege, conflict management, peer mediation, and allyship. As a final project, students put these skills to the test by designing a school-wide initiative, a project or campaign that addressed a diversity and inclusion challenge relevant to their school or community. Overall, See Different empowered students to see the world differently than they had before and provided them with the knowledge and tools to make meaningful change in their communities. Merci Ashley. Alors jusqu'à présent, l'objectif principal du CCDI a été d'offrir des possibilités d'éducation et de formation aux employeurs canadiens afin de créer des environnements de travail diversifiés et inclusifs qui mobilisent le potentiel de tous et tous les Canadiens sur le marché du travail. Cependant, avec un nombre croissant de jeunes Canadiens et Canadiennes qui entreront bientôt sur le marché du travail, l'organisme a reconnu la nécessité d'un programme national de formation pédagogique qui fournirait aux jeunes les outils et les informations qui seraient nécessaires pour eux d'être des défenseurs de l'inclusion, pour que les écoles et les communautés soient exemptes de préjugés et discrimination. C'est ainsi qu'en 2015, le CCDI a réuni un comité de professionnels de la DEI pour collaborer à un programme destiné aux élèves du secondaire, offert en personne, dans lequel les élèves ont exploré les concepts d'identité, de diversité et d'inclusion, de pouvoir et de privilèges, de gestion des conflits, de médiation par les pairs et de l'alliance. Alors, en tant que projet final, les élèves ont mis ces compétences à l'épreuve en concevant une initiative à l'échelle de l'école, un projet ou une campagne qui abordait un défi de diversité et d'inclusion pertinent pour leur école ou même leur communauté. Alors, dans l'ensemble, le nouveau regard a permis aux élèves de voir le monde différemment et leur a fourni les connaissances et les outils nécessaires pour apporter des changements significatifs dans leur communauté. Thank you. So after hearing from youth about how impactful the program was for their schools and communities, CCDI made the decision to revitalize and update the program. This new program has been redesigned as a two-part online diversity, equity, and inclusion training and certification program for youth. The program consists of 2 separate certificates, the Principal of DEI Certificate and the Emerging Leaders of DEI Certificate. There's also a National Youth Ambassador Network. Youth in Canada between the ages of 15 to 24 are eligible. This age range is based on the UN definition of youth, and exceptions will be considered on a case-by-case basis. Best part is this program is being offered for free. Après avoir entendu les jeunes parler de l'impact du programme sur leurs écoles et leurs communautés, le CCDI a pris la décision de revitaliser et de mettre à jour le programme. Donc, ce nouveau programme a été repensé en tant que programme de formation et de certification en ligne en 2 parties sur la diversité, l'équité et l'inclusion pour les jeunes. Le programme comprend donc 2 certificats distincts, le certificat Principes fondamentaux de la DEI et le certificat Leader émergent de la DEI, ainsi qu'après ça, un réseau national de jeunes ambassadeurs et ambassadrices. Alors, les jeunes du Canada âgés de 15 à 24 ans sont éligibles pour le programme
Et cette tranche d'âge est vraiment fondée sur la définition de la jeunesse de l'ONU. Et les exceptions seront examinées au cas par cas. Et on est heureuse aussi d'offrir ce programme gratuitement. Right. The C Different program seeks to improve the prospects of employment for young Canadians and empower them with the tools and knowledge they need as they enter the workforce. Through the program, participants will be provided with opportunities to network with other students and organizations from across the country that are focused on DEI work in Canada. Finally, the overarching goal of the program is to spark national awareness, dialogue, and action among Canadian youth on the importance of diversity, equity, and inclusion, not only in our workplaces, but in our communities and schools as well. Merci. Alors, ce programme Nouveau Regard vise à améliorer les perspectives d'emploi des jeunes Canadiens et leur donner des outils et les connaissances dont ils ou elles ont besoin pour entrer sur le marché du travail. Et grâce au programme, les participants auront l'occasion d'établir un réseau avec d'autres étudiants et organisations de partout au pays qui se concentrent sur le travail de la DEI au Canada. Et enfin, l'objectif global du programme, c'est vraiment de susciter la sensibilisation, le dialogue et l'action à la chaîne nationale parmi les jeunes Canadiens et Canadiennes sur l'importance de la diversité, de l'équité et de l'inclusion, non seulement dans leur lieu de travail, mais aussi dans nos communautés et dans nos écoles. So some of the topics covered in the program include dimensions of diversity, equity and inclusion, unconscious bias, prejudice and discrimination, power and privilege, allyship, safe and brave spaces, cultural competency, environmental justice, and social action. Nous allons avoir beaucoup de thèmes dans le programme et les thèmes sont suivants. Les dimensions de la diversité, l'équité et l'inclusion, les préjugés involontaires, les préjugés et la discrimination, le pouvoir et le privilège, l'alliance, les espaces sécuritaires et d'encouragement, la compétence culturelle, la justice environnementale et l'action sociale. Jumping in now to the structure of the program, the C Different program in its entirety includes two certificates and a national youth network. Certificate one is called Principles of DEI and consists of two workshops that are 2.5 hours each with a final assignment. The total amount of work that will be required to complete certificate one, including the pre-workshop activities and the final assignment, is 8 hours. Certificate two is called Emerging Leaders of DEI. This is a more advanced level certificate containing 3 workshops that are 3 hours each and a completion project. The total amount of work that will be required to complete certificate two, including the pre-workshop activities and the completion project, is 15 hours. The workshops themselves are presented through live Zoom sessions with myself as the facilitator, although we will be bringing more folks on board as the program grows. Finally, these two certificates do not need to be completed consecutively. Participants can take a break between them so long as they are still eligible for the program. Upon completion of the program, students will receive an invitation to join the National Youth Ambassador Network for Emerging Leaders of DEI. This network will provide students with the opportunity to engage with other students interested in diversity, equity, inclusion, as well as open an avenue for students to meet with and learn more about organizations and employers working in the DEI space. Parfait. Alors maintenant, passez à la structure du programme. Le programme Nouveau Regard, dans son ensemble, comprend 2 certificats et un réseau national de jeunes. Le premier certificat s'appelle Principes fondamentaux de la DEI et comprend 2 ateliers de 2h30 chacun avec un devoir final. La quantité totale de travail nécessaire pour compléter le premier certificat, y compris les activités pré-atelier et le devoir final, est de 8 heures. Le deuxième certificat est intitulé Leader émergent de la DEI. Il s'agit d'un certificat de niveau un petit peu plus avancé, comprenant 3 ateliers de 3 heures chacun et un projet final. La quantité totale de travail nécessaire pour obtenir le deuxième certificat, y compris les activités pré-atelier et le projet final, est de 15 heures. Les ateliers eux-mêmes sont présentés via des séances Zoom en direct avec Ashley et en tant qu'animatrice, mais nous inviterons d'autres personnes aussi au fur et à mesure que le programme se développera. Et enfin, il n'y a aucune obligation de compléter ces 2 certificats consécutivement.
parce que les participants peuvent faire une pause entre les deux tant qu'ils ou elles sont toujours admissibles au programme. Et à la fin du programme, les étudiants recevront une invitation à rejoindre le réseau national des jeunes ambassadeurs et ambassadrices pour les leaders émergents de la DEI. Ce réseau offrira aux étudiants la possibilité de dialoguer avec d'autres étudiants qui sont intéressés par la diversité, l'équité et l'inclusion, ainsi que de fournir aux étudiants la possibilité de rencontrer et d'en apprendre davantage sur les organisations et les employeurs qui travaillent dans l'espace DEI. Thanks, Anne-Marie. So registration for the first certificate, Principles of DEI, will be open as of September 26, 2022. A note here that in 2023, we will begin facilitating, Certificate 1 in French. The second certificate, Emerging Leaders of DEI, will be open for registration in 2023. The link to register can be found on the C Different website, along with information about the program. There are two ways someone can register. The first is as an individual, in which case we have several options for dates and times available. These options are scheduled outside of school hours so that students may participate. The second way is that folks can register as a group. In this case, the group would be a cohort and would complete the program together. This could be a school class, an organization, or even a school club. Merci Ashley. Alors, les inscriptions pour le premier certificat, principes fondamentaux de la DEI, seront ouvertes à partir du 26 septembre 2022. Et il note aussi qu'en 2023, nous commencerons à faciliter le premier certificat en français. Le deuxième certificat, leader émergent de la DEI, sera ouvert aux inscriptions en 2023. Et le lien pour s'inscrire se trouve sur le site web de Nouveau Regard, ainsi que des informations sur le programme. Les inscriptions peuvent se faire de deux manières. Alors, le premier, c'est en tant qu'individu, auquel cas nous avons plusieurs options de dates et d'heures disponibles. Et ces horaires sont programmés en dehors des heures de classe afin que les élèves puissent y participer. Et la deuxième façon dont les gens peuvent s'inscrire, c'est en tant que groupe. Dans ce cas-là, le groupe peut constituer une cohorte et suit le programme ensemble. Il peut s'agir d'une classe, d'une organisation ou même d'un club scolaire. All right. So we will move into the Q&A portion of the information session shortly. However, before we officially end this recording, I would like to pose the following three questions to our audience today to get the conversation started. What other topics would you like to see as part of this program? What is your organization or school most looking for in a program such as this? And how might we overcome barriers to youth participation? Passons sous peu sur la partie questions-réponses de la séance d'information, mais avant de faire ça, j'aimerais poser trois questions suivantes à vous aujourd'hui pour lancer la conversation. Quels autres sujets est-ce que vous voulez voir abordés dans le cadre de ce programme? Qu'est-ce que votre organisation ou école recherche le plus dans un programme tel que celui-ci? Et comment pourrions-nous surmonter les obstacles à la participation des jeunes. And that ends the presentation portion of the information session today. Please feel free to contact us with any questions at c.different@ccdi.ca. Thank you, and I will end the recording now so we can move on. On met fin à la partie présentation de la séance d'information d'aujourd'hui. N'hésitez pas à nous contacter pour toute question à l'adresse c.different@ccda.ca. Et je vous remercie et je vais mettre fin à l'enregistrement maintenant pour qu'on puisse passer aux questions-réponses. Merci. Thank you, everyone. Thank you. We hope you enjoyed today's presentation. For more information on upcoming events, please visit our website at ccdi.ca. Merci. Nous remercions et nous espérons que vous avez apprécié la présentation aujourd'hui. Pour plus de détails sur les événements à venir, veuillez visiter notre site web à l'adresse ccdi.ca.